Bonjour, bonjour, aujourd'hui, Westworld. Alors, je fais un petit trailer reaction par rapport à la saison 4 de la série Westworld, dont les premières images ont été dévoilées. Alors, Westworld, qu'est-ce que c'est? Je dois lire mes notes. Le pitch, le synopsis, c'est ça. C'est Westworld est un parc d'attractions futuriste recréant différents univers, dont l'univers de l'Est américain, le Far West, du 19e siècle. Il est peuplé d'androïdes, appelés Host ou Host en VO, réinitialisés à la fin de chaque boucle narrative. Les visiteurs, appelés invités, Newcomers ou Guests en VO, peuvent y faire ce qu'ils veulent sans aucune conséquence. Mais à la suite d'une mise à jour du programme des androïdes, les dirigeants du parc devront faire face à plusieurs bugs dans leur comportement. Alors, il faut savoir que Westworld, cette série, qui est donc une série HBO aux États-Unis et diffusée sur OCS en France, bah c'est un petit peu l'adaptation en série télé d'un film des années 70 scénarisé par Michael Crichton, l'auteur de Jurassic Park. D'où le concept est un petit peu familier. Vous remplacez les androïdes par les dinosaures et vous avez Jurassic Park. Donc là, je vais regarder le trailer et je vous fais une petite analyse ensuite. Dans des Newton. Ah, l'ambiance est bien. Ah ouais. Bien, bien, bien. Ça donne envie. Ça donne envie. J'adore l'ambiance. J'adore l'ambiance. C'est une série Bad Robot, c'est-à-dire c'est le même studio qui d'où sort Lost, d'où sort Fridge, aussi Person of Interest, pour ceux qui connaissent. Oui. Alors la série est showrunnée par l'un des showrunners est Jonathan Nolan, donc le frangin de Christopher Nolan. Christopher Nolan, je ne le présente même plus, hein, c'est lui le réalisateur de la trilogie Dark Knight de Batman. Il a fait aussi Inception, il a fait Prestige. Tenant, donc voilà Dunkerque, et il travaillait souvent en binôme avec son frangin Jonathan Nolan. Jonathan Nolan est scénariste en fait de la trilogie Batman, justement. Depuis quelques temps, ils ne bossent plus ensemble parce que Jonathan Nolan fait des séries dont Westworld et dont Person of Interest. Et là, c'est ah bah la vache, j'adore cette ambiance un petit peu mystique, un petit peu mystérieuse. Je rabâche, mais. J'adore cette ambiance un petit peu cryptique. Donc c'est tout à fait dans le style des trois premières saisons. Autrement dit, cette saison 4 va être dans la continuité. Parce que l'un des attraits de cette de Westworld, j'ai déjà vu les deux films en fait qui sont donc c'est adapté donc Westworld et puis Les Évadés du Monde Futuriste, je crois. Les Évadés du Futur, je crois. Et du coup, en fait, cette série a
respecte en fait les deux films, les deux anciens films que la nouvelle génération n'a pas dû voir. À mon avis, je pense que la nouvelle génération, le nouveau public de maintenant, ne doit même pas savoir que c'est une adaptation. Je pense pas qu'il éclaire sur toi et toi. Mais grosso modo, ce que j'aime bien, c'est que au compte-goutte, ici là, il y a des clins d'œil aux anciens films. Et ça, j'aime bien. Mais en même temps, ils le font à leur sauce. La série a sa propre mythologie. Enfin, c'est une série de science-fiction mythologique, cryptique. Du coup, moi, je kiffe ça. C'est vraiment mon... Ah, c'est vraiment mon kink. Donc là, je vais regarder. Je vais suivre, à mon avis, ça va être les séries que je vais suivre en été, je suis sûr. Donc, ouais, ça s'annonce bien. Je vous recommande chaudement Westworld. Donc, tchuss tout le monde.